Salut! Alors on fait une petite vidéo rapide parce qu'on sortait du rucher là, on partait, et on a fait deux grosses découvertes en quelques secondes. Donc la première c'était qu'on avait ça au-dessus de nous. Ça fait 2h45 qu'on est là, on n'avait pas vu, parce qu'en fait on était juste en dessous. Et on n'avait pas vu que c'était là, parce qu'une fois qu'on est de ce côté-là, il est bien caché. Donc 2h45 on n'avait pas vu ça. Donc ouais, il est pas mal gros quand même. Donc là on est en train de préparer une ruche. Et en préparant une ruche qui était vide, on tombe sur un nid de frelons asiatiques avec la reine qui est juste là, qui tourne. Parce que on vient de retourner son nid qui est là. Donc voilà, elle est commencée à pondre ses œufs. Là, je vois des œufs au fond. Donc ça, c'est un nid de frelons asiatiques. Donc c'est là. Donc c'est le premier nid qu'elle fait. Et donc elle l'a fait. Voilà. Donc c'est pas grand chose. Il y avait quoi, 1, 2, 3, il y avait quoi, 9 cellules à peu près. C'est la première étape. Voilà, on l'enlève. Et en fait, elle était juste en dessous de la ruche. Une ruche qu'on avait mis là. Donc en fait, elle voulait construire dans le vide qui était là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit coup de chalumeau pour que les odeurs apparaissent bien. Et ça va lui plaire. Ça va l'inciter à rester, puis il y aura des bonnes odeurs. Voilà, ça ravive un peu les odeurs de propolis et de cire qu'il y a. Puis en même temps, ça désinfecte un peu. Donc vraiment, il faut bien les désinfecter avant. Et bon, on a mis une petite dalle avec une structure pour mettre la ruche dessus. La ruche est là, bon, elle n'est pas très propre. On verra si demain on change de ruche ou pas. Et puis là, on met dedans deux cadres anciens. Parce qu'en fait, on a que ça déjà. Puis ça va, avec les odeurs, ça va aller bien les tenir. Puis avec le chalumeau, ça va bien les aider aussi. Donc on va laisser la ruche là. Puis nous, on va venir avec les seins. On va venir demain, il faut bien venir demain par contre, mettre des cadres cirés pour qu'elles construisent et pas attendre plus. Parce que sinon elles vont faire des longs rayons de cire juste ici et en quelques jours. Parce que les essaims ils construisent très très vite. Donc en une semaine il y aura des rayons de cire complets bâtis sur le couvre-cadre. Donc il faut vraiment venir demain. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on met un toit plat juste en dessous et on va essayer de secouer ça. Et le faire tomber dedans. Là, il bouge plus trop parce qu'il est plus de 20 heures. Et c'est un peu un paquet. Ah, il est cool les siens. Et là on gratte sans appuyer fort pour pas les écraser. Oh mais attends, il est énorme. Voilà, je pense que c'est bon, on a l'essentiel. Et là maintenant, on va toutes les mettre dans la ruche. On va secouer pour les mettre au fond. Et il est bon, hein. Un bel essaim. Bien secoué. Et puis là, avec toutes les bonnes odeurs, ça va leur plaire. Et on reviendra demain. Fais attention pour en écraser. Voilà. Et là, je pense qu'à l'entrée, elles vont un petit peu sortir. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre un peu de fumée pour enlever les odeurs. Juste espérer que la reine soit bien dans la ruche. Si elle est bien dans la ruche, bah, c'est gagné. Et puis là, on met beaucoup d'odeurs pour pas qu'elle revienne ici. Normalement, vu le paquet, on devrait avoir la reine. Ce serait pas de mal de pas la voir. C'est juste que une qui sont un peu perdues, qu'elles ne retrouvent pas la ruche qu'on a donnée. C'est pas grave, puisque du coup, elles vont retourner dans la ruche mère d'ici un ou deux jours. Alors voilà, nous sommes le lendemain, donc là on arrive sur le rucher et on va voir ensemble si les seins encore là, donc suspense, on va voir tout ça. Donc là on est là pour mettre les cadres et puis peut-être nourrir parce que la météo est vraiment exécrable, il pleut tous les jours, là il repart à zéro, les seins il a zéro réserve, donc ça peut être bien quand même de lui faire un petit apport pour l'aider à démarrer sur les 3-4 premiers jours, ça peut être bien de sécuriser ça quoi.
Et du coup, hier soir, on a eu un arbre sur la route. Heureusement que j'avais pris la serpe, heureusement que j'y ai pensé. Et ça nous a sauvé la mise, parce que là, il y avait un arbre qu'on pouvait pas déplacer. On n'avait pas de sangle pour le tirer, et puis on n'avait pas d'autres tronçonneuses ni rien. Donc on a eu la serpe pour le casser, je vous montre quelques images là. Et ouais, on a eu de la chance, parce que peine de plus, restait bloqué dans le bois. Donc vous voyez, là, il n'y a vraiment plus aucune abeille. Elles sont toutes reparties, puisqu'en fait, il n'y avait pas la reine. Donc, vu qu'il n'y a pas la reine, elles repartent dans leur colonie de ruche mère si elles ne retrouvent pas la nouvelle colonie qu'on a capturée. Voilà, plus du tout d'abeilles. Bon, premier indicateur, ça a l'air de bosser, ou en tout cas de voyager pas mal. Surtout là. Donc déjà, là, on a beaucoup de chance d'avoir encore laissé. Hein. C'est un indicateur quand même assez costaud. On va voir. On va ouvrir. Donc du coup là on a nos 8 cas de scierie à mettre, plus un nourrisseur. On va peut-être nourrir un peu hein, parce que là il y a, comme je disais, il y a beaucoup de pluie qui va arriver. Donc on va ouvrir tout ça maintenant. Là on va ouvrir, on va regarder, vraiment fatidique. On va ouvrir tout doucement. Donc la boule est là. On va le poser comme ça en attendant. Là, je vais prendre les cadres pour pouvoir les poser doucement. Donc là, on essaie de ne pas enfumer pour pas les perturber, parce qu'elles peuvent encore repartir hein, si elles sont trop stressées. Là, on pourrait aussi leur mettre une partition pour limiter l'espace de la ruche. Après, là, on est mi-mai, elles craignent moins le froid, et puis ça va bien aller quand même, je pense. Ah, la reine est là. On la voit, elle est juste ici. Donc c'est une reine qui est bien à nouette. Donc la reine, faut pas qu'elle se renvole. Elle est où, là? Elle est là. Là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer. Comment on va faire? Hop. Elle est tombée là? Oui, elle est là. Elle est juste là. Et là, on va lui donner des abeilles. Hop. Voilà, donc la reine a ses abeilles. Hop. Voilà, je vais mettre les cadres. Ouais, effectivement, là, il paraît un peu moins gros qu'hier. On pourrait partitionner un peu plus. Après, là, on n'a pas de partition avec nous, donc on va laisser comme ça. Et là, je mets le nourrisseur, puisqu'en fait, elles ont vraiment zéro réserve. Et ils annoncent de la pluie tous les jours, donc on va mettre le nourrisseur avec un petit peu de nourriture pour les aider. C'est bon, elle rentre bien. C'est bon. Voilà, hop, c'est terminé. Là, on a remis le toit et puis il n'y a plus qu'à attendre, voir ce que ça donne. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, puisque c'est aussi ça, l'essence de YouTube et de l'apiculture, c'est d'échanger. Donc dites-nous un peu si vous avez des essaims chez vous, comment vous avez fait, quelle méthode, et si ça a marché. Et si ça n'a pas marché, peut-être pourquoi. Comme ça, tout le monde pourrait en profiter. Et voilà. En tout cas, n'oubliez pas de mettre la cloche et de vous abonner, puisque de nouvelles vidéos vont arriver très vite. Et ça sera un plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Donc à bientôt. Allez, ciao.